Si un homme te dit que tu ressembles à un chameau, ne l'écoute pas. Si deux hommes te le disent, regarde-toi dans un miroir. Un cœur tranquille vaut mieux qu'un sac rempli d'or. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Les blessures de la langue sont plus dangereuses que celles de l'épée. Sois attentif lorsque ton ennemi te sourit. La bête montre ses dents avant d'attaquer. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas est un ignorant. Détournez-vous de lui. Celui qui sait qu'il ne sait pas est simple. Instruisez-le. Celui qui ne sait pas qu'il dort, réveillez-le. Celui qui sait qu'il sait est sage. Suivez-le. Il y a quatre choses qui ne reviennent pas. La flèche lancée, la parole déjà dite, l'occasion gâchée et la vie passée. J'avais l'habitude de me plaindre parce que je ne pouvais pas acheter de chaussures, jusqu'à ce que je rencontre un homme qui n'avait pas de pied. Si tu as un ami, rends-lui souvent visite, car les mauvaises herbes et les épines envahissent la route par où personne ne passe. Il est préférable d'allumer une lumière que de maudire les ténèbres. Un homme qui ne sait pas sourire ne devrait pas ouvrir boutique. Une fois la partie terminée, le roi et le pion retournent dans la même boîte. La vie s'arrête lorsque tu cesses de rêver, l'espoir lorsque tu cesses de croire et l'amour lorsque tu cesses d'en prendre soin. La patience est un arbre à la racine amère, mais aux fruits très doux. Les choses ne valent pas pour le temps qu'elles durent, mais pour les traces qu'elles laissent derrière elles. Ne méprise pas un rival, aussi petit soit-il. Le moucheron peut blesser les yeux du lion. Celui qui vit d'illusions meurt de réalité. S'il y a un remède, pourquoi te plaindre? Et si c'est sans espoir, pourquoi te plaindre? La première lune après le mariage est la lune de miel, et celles qui suivent sont celles de l'amertume. Aie une bonne mémoire, surtout si tu es un menteur. Un homme peut passer pour sage quand il cherche la sagesse. Mais s'il pense l'avoir trouvé, c'est un ignorant. Les yeux ne sont d'aucune utilité pour un cerveau aveugle. Dans l'abondance de l'eau, l'idiot a soif. Lorsque tu parles, essaie de faire en sorte que tes paroles soient meilleures que ton silence. Punissez ceux qui sont envieux en leur faisant du bien. Grand est celui qui, pour briller, n'a pas besoin d'éteindre la lumière des autres. Le début d'une guerre est une plainte. Son déroulement est inconnu et sa fin une disgrâce. La cruauté est la force des lâches. Si tu aimes quelqu'un pour son physique, ce n'est pas de l'amour, c'est du désir. Si tu l'aimes pour son intelligence, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Si tu l'aimes pour sa richesse, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu l'aimes, alors c'est ça l'amour. Tu es l'esclave de tes mots et le maître de tes silences. Pour renforcer le cœur, il n'y a pas de meilleur exercice que de se pencher pour relever ceux qui sont tombés.
n'essaie pas de rendre droite l'ombre d'un bâton tordu. La première fois que tu me tromperas, la faute sera la tienne. La deuxième fois, la faute sera la mienne. Seul celui qui a de la patience dans les bonnes résolutions et intentions triomphe dans la lutte pour la vie. Celui qui essaie de frapper la lune avec une pierre ne réussira pas, mais finira par savoir comment manier la fronde. Celui qui ne comprend pas un regard ne comprendra pas non plus une longue explication. Si quelqu'un te mord, rappelle-toi que tu as aussi des dents. Essaie de faire que l'enfant que tu étais n'ait jamais honte de l'adulte que tu es. Tu n'es pas ce que tu réalises, tu es ce que tu surmontes. Un loup qui se tait a plus d'impact qu'un chien qui aboie. Celui qui a la santé a l'espoir, et celui qui a l'espoir est maître de tout. La sagesse ne se transmet pas, elle s'apprend. L'homme est l'ennemi de ce qu'il ne connaît pas. Les meilleures visites sont les plus courtes. Seules les mules réunissent leur famille. Sois un ami pour toi-même et tu seras un ami pour les autres. Si tu es applaudi, ne te vante pas avant de savoir qui t'applaudit. Les livres, les routes et les jours donnent de la sagesse à un homme. Une fois que tu as libéré le mot, il te domine. Mais tant que tu ne l'as pas libéré, tu es son dominateur. L'envie fait ressortir les vertus de l'envié et les défauts de l'envieux. L'humanité est divisée en trois classes: les inamovibles, les movibles et ceux qui bougent. Le sourire est le langage des gens intelligents. Un homme galant ne peut pas frapper une femme, même avec une fleur. L'humilité est le fil avec lequel la gloire est filée. Le passé s'est enfui, ce que tu espères est absent, mais le présent t'appartient. Celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Celui qui ne veut pas faire quelque chose trouve une excuse. Dieu nous a créés avec deux oreilles, deux yeux et une seule bouche, car nous devons écouter et voir deux fois avant de parler. Conseille l'ignorant, il te prendra pour son ennemi. Ne loue que Dieu, ne critique que toi-même. De l'arbre du silence pend le fruit de la sécurité. Un conseil est donné et il est reçu par conviction. Une perte nette est souvent préférable à un gain lointain et gênant. Un ami fait plus de mal qu'un ennemi. Si ce que tu vas dire n'est pas plus beau que le silence, ne le dis pas. Celui qui cherche un ami sans défaut est sans ami. Ne dis pas tout ce que tu sais, car celui qui dit tout ce qu'il sait dit parfois ce qui ne convient pas. Ne fais pas tout ce que tu peux, car celui qui fait tout ce qu'il peut fait parfois ce qu'il ne devrait pas.
Ne crois pas tout ce que tu entends, car celui qui croit tout ce qu'il entend juge parfois ce qu'il ne voit pas. Ne dépense pas tout ce que tu as, car celui qui dépense tout ce qu'il a dépense parfois ce qu'il n'a pas. De toutes ces phrases de la sagesse arabe, je serais ravi de savoir en commentaire celle qui a le plus marqué ton esprit. Que celui qui renouvelle le monde à chaque instant soit la source de ta sagesse. Merci. Thank you.